Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui on va changer un petit peu, on va parler broderie. Vous savez qui arrive. On va parler broderie, c'est une vidéo que vous m'avez demandé que j'en fasse de temps en temps. D'expliquer comment... Elle a mal aux oreilles en ce moment. Elle a bobo les oreilles. Ma fifi. Oh, elle a bobo ses oreilles. Elle a mis de la crème, mais maintenant il faut attendre que ça aille mieux. Elle a bobo les oreilles. Donc, mais on m'a demandé de faire des tutos, on va dire. Sur la broderie, d'abord estampée, aussi la broderie au point compté. Donc là, pour l'instant, je vais commencer avec la broderie estampée. Donc je vous montrerai comment des... Oh, mon bébé! Je vais vous montrer comment on démarre, voilà, comment on fait ses points... comment est le kit quand on le reçoit, voilà, tout ça, etc. Tout. Alors, je voulais vous le montrer avec ce kit-là, que je vous ai déjà présenté. Je l'avais reçu par la boutique Crostich. Voilà, la boutique Crostich. Je vous remettrai les liens en barre d'infos. Alors, ça se compose de... Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a dans le kit quand on le reçoit. D'abord, on a une pochette, hein, bien sûr. On a... Hop. Les cotons, voilà. Qui sont présentés comme ceci. Maman n'aime pas hein, que tu aies mal à tes oreilles comme ça. Donc, ils sont présentés comme ceci. Donc, avec des numéros. Là, vous les voyez à l'envers. Hein, je suis désolée. Vous avez également deux aiguilles. Voilà. Alors, ici, le kit est un 14 CT. Voilà. Donc, un 14CT, il va se broder avec deux fils. Voilà. Donc, chaque... je vais vous montrer. Hop. Voilà. Ça, c'est un fil, on va dire. Mais dedans, il y a six fils. Alors, on va les enlever. Vous voyez, dedans, il y en a six. Voilà, 1, 2, 3, 4, hop, enfin 5, 6. Voilà, les autres sont là. Allez, ça. Voilà. Hop, 5, 6. Donc, vous, il va falloir que vous en preniez deux. Et vous allez broder donc à chaque fois avec deux fils. Je vais vous montrer après quand on va commencer à broder. Ensuite, on a... je peux le prendre, ma fille. Attends, s'il te plaît. J'ai couché dessus. On a la toile, bien sûr. Donc, une toile estampée, c'est ça. C'est une toile qui est imprimée. Donc, vous avez tout le dessin dessus, en couleur. Les couleurs, des fois, c'est pas des fois, c'est 99%, ne correspondent pas au dessin. C'est tout à fait normal, il ne faut pas s'inquiéter. C'est juste pour que vous puissiez mieux vous repérer après avec avec les symboles. Voilà. Donc, les couleurs qu'il y a dessus, c'est pas... Ça n'a rien à voir. De toute façon, vous voyez bien avec les fils.
que ça n'a rien à voir. Alors, ça c'est du 14 CT. Après, vous allez me dire, bah oui, mais je vais broder là-dessus. Mais tout ça, là, ça va se voir. Même les couleurs. Non, une fois que vous aurez fini de broder, il y aura une technique qu'on va tremper dans l'eau pendant un petit moment avec une certaine température. Et tout va s'effacer. Voilà, il n'y aura plus rien. Donc après, on n'aura plus qu'à laisser sécher, à lui donner un petit coup de fer, et puis voilà, c'est tout. Et il n'y aura plus aucune écriture dessus. Donc, on a la toile, et on a, merci Fifi, et on a aussi une grille. Alors, je la grille, je l'ai en combien de feuilles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 4 pages, il y a 6 pages. Alors voilà, une première, vous voyez, et donc là on vous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup là c'est beaucoup plus grand, mais par contre la légende n'est pas la même. Voilà, la légende ici n'est pas la même que sur la toile. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Bon, déjà parce que les couleurs sur le plan sur la grille papier n'est pas la même que sur la toile. Alors, je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais bon. Vous voyez, les couleurs ne sont pas. Je vous montre les couleurs. Là, la légende, les symboles. Bon, je vous en montre qu'une partie, hein, mais. Et je vous montre maintenant. Voilà. Vous voyez, ça n'a strictement rien à voir. Et du coup, quand vous suivez. Là-dessus, ben, si vous voulez vous repérer avec cette légende-là, ça n'ira pas. Voilà. Donc, il vaut mieux suivre avec la légende qui est ici en bas. Ou alors, vous pouvez suivre directement avec le plan, comme ça. Avec la grille, plutôt. Vous voyez ? Mais bon, je trouve c'est plus facile de se repérer directement. Voilà. Ça, après, vous pouvez le garder si un jour vous voulez le refaire ou si vous avez une amie qui veut le refaire. Dans ce cas-là, bah, elle se repère avec cette grille-là. Voilà. Mais la légende n'est pas la même. Ne cherchons pas la logique. Donc là, les légendes, vous les avez ici sur le côté et vous en avez ici en bas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de spécial sur cette grille? On a des backstitch. Alors le backstitch, c'est le point arrière. Voilà, c'est ça. Ici, vous voyez, backstitch. Donc, c'est bien marqué avec un point, vous voyez, avec une ligne. Donc, ça, c'est le point arrière. Et, bon, là, c'est écrit en chinois, donc je ne sais pas encore lire le chinois. Qu'est-ce qu'ils ont écrit, là? Full stitch et full stitch. Donc, là, c'est les croix. C'est le petit point de croix. Ensuite, il me manque quelque chose. Oui, Fifi, excuse-moi. Merci. Sur la pochette, donc d'un côté, il n'y a rien, mais de l'autre côté, c'est écrit en anglais. Bon. Mais les images sont parlantes. Donc, d'abord, on vous explique comment enfiler une aiguille. Hein. Voilà.
Ensuite, on vous explique comment vous repérez à la légende, voyez? Oui, avec les fils. Et ensuite, voilà, on vous montre aussi, si vous voulez vous repérer avec avec ça, comment vous pouvez faire. Donc, vous vous repérez sur la feuille. Là, vous avez la légende et vous avez toujours le bon numéro. Par contre, sur les fils, le numéro est pareil, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous explique d'autre? Qu'il faut centrer sa toile, voilà, pour démarrer. Alors, comme c'est des toiles pré-imprimées, alors ça, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez démarrer par le milieu, si vous le souhaitez. Donc, le milieu, il va être à peu près ici, je pense. On va voir. Oui, le milieu est à peu près ici. Ou soit vous commencez là, hein. Comme là c'est du pré-imprimé, vous pouvez commencer en haut à droite ou en haut à gauche et vous allez descendre. Voilà. Ensuite, sur cette, on va vous expliquer comment laver la toile pour qu'il n'y ait plus justement les impressions. Donc ça, je voulais, c'est écrit en anglais, hein. Donc après avoir fini donc sa broderie, il faudra tremper dans l'eau à 30 degrés pendant 3 heures. Voilà, alors avec de l'eau claire, bien sûr, donc pas de savon, rien du tout, hein, juste de l'eau claire à 30 degrés. Et après, vous mettez à sécher à soit à l'air libre, mais bon, c'est l'hiver en ce moment, soit à plat, voyez. Et après, vous pouvez donner un petit coup de fer. Voilà, donc on y voit. Voyez. Ici en bas, on va vous expliquer les différents points que l'on peut faire. Alors, il y a le point de croix, bien sûr. Il y a le demi-point de croix. Là, c'est des petits points qu'on va. Comment ils appellent ça, eux? Les un quart de stitch, donc les un quart de croix. Là, c'est des trois quarts de croix. Ici, comment on fait les croix en continu? Je vous montrerai également. Le backstitch, donc c'est ce que je vous disais. Donc, le point arrière, donc c'est les lignes. Hein. Et là, c'est le cast-off, c'est quoi ça? Ah oui, c'est comment on arrête son fil. Voilà, sans faire de nœud. Donc, on va passer son aiguille en dessous des points. Voilà, ça évite de faire des nœuds. Et là, French knot, donc c'est les nœuds français. Quand on doit faire des petits nœuds français, par exemple dans les fleurs ou les choses comme ça. Voilà. Donc, voilà. Déjà, ce que je peux vous expliquer sur la présentation du kit. En matériel, il va vous falloir une paire de ciseaux, bien sûr. Les aiguilles, vous les avez avec. Le fil, vous l'avez avec. Après, vous avez soit vous travaillez directement comme ça, soit vous travaillez. Fifi. Bah ben oui, mais on peut pas. Voilà. Et on va faire ses griffes sur le fauteuil de son papa. Soit
J'ai oublié de le sortir. Je vais le sortir, mais je vais regarder le petit. J'en ai un petit. Voilà, au lieu de sortir le grand. Alors, soit vous allez vous servir de cerclage, mais ça s'appelle pas cerclage, les tambours, voilà. Il y a deux sortes. Il y a ceux-là en bois, voilà, avec la petite vis, ici. Hop, on va dévisser et on l'a en deux parties. Donc on va mettre sa toile ici et on va repasser ça au-dessus. Je vous montrerai également. Et on va revisser pour serrer. Voilà. Soit on a ceci, un quistap, quisnap, quistap, je ne sais pas trop jamais comment on dit. Il existe plusieurs tailles. Là, c'est pareil, hein, en bois. J'ai oublié de vous le dire. Alors, hop, il existe plusieurs tailles. Là, ils sont tout neufs, moi. Je les ai achetés il y a une quinzaine de jours chez Zeman. Je les ai payés 2,49 €, si je ne me trompe pas, pour le lot. Voilà. Donc, ça, c'est un 30 cm. Ça, c'est un 25, je crois. Et ça, c'est un 15. Voilà. Bon, celui-là, il est vraiment grand. Moi, je vais le garder peut-être pour faire un cadre. Je ne sais pas. Moi, les deux qui vont m'intéresser, c'est ceux-là. Le 25 et le 15. Mais bon, pour 2,49 €, hein, chez Zeman. Et après, vous avez donc celui-là. Celui-là, il existe dans plusieurs formes, en rectangulaire, en carré. Et dans plusieurs tailles. Donc pareil, vous l'avez en petit comme ça. C'est du 10-15 cm. Après, vous l'avez en 20, en 30, en 40. Vous l'avez donc en carré, en rectangle. Voilà. Et ça, c'est très facile d'utilisation. Ça, ce sont les pinces. Voilà. Donc, vous en avez 4. Et ça, ça abîme moins la toile que ça. Ça, vous allez avoir la marque du tambour sur votre toile, tandis que ça, vous ne l'aurez pas. Alors. Hop. On va le démonter pour vous montrer. Voilà comment c'est. Dans des morceaux comme ça. Hop, vous voyez. Il y a encore un morceau. Voilà. Je l'ai en 4 morceaux. Et donc, ça se remonte très vite. Hein. Hop. Et voilà. Et après, on pose sa toile dessus et on met nos pinces autour. Voilà, je vous mettrai des liens également en barre d'infos si vous voulez en trouver. Voilà. Sinon, bah, rien de spécial. Bon, après, moi, j'ai des boîtes comme ça, hein, mais ça, c'est avec du DMC pour mes autres broderies, puisque je range mes fils là-dessus. Pour ce genre de broderie, je laisse tel quel. Et quand c'est du DMC, je range mes fils sur des petites cartonnettes comme ça, en plastique. Voilà. Donc, ce qui fait, je vous montre... Voilà. Vous voyez, donc je mets le petit numéro. Hop, ça fait ça floute, vous n'allez pas le voir. Non, il n'y a pas moyen que vous le voyez, mais bon, ça veut pas, ça floute.
Bon, là, il y a un numéro, c'est la référence DMC. Moi, j'achète sur Amazon des grandes feuilles autocollantes. J'ai toutes les références DMC. Donc, je les achète par, c'est par 5 ou par 10 feuilles. Et comme ça, je mets juste la référence en autocollant. Je m'embête pas. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de trouver ça. C'est super pratique. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour déjà pour commencer. Là, sur la prochaine vidéo, ben, je vais vous montrer comment on démarre donc notre broderie. Là, pour l'instant, je vous ai expliqué que donc ce que c'était déjà la broderie estampée. Donc, ça existe en 14 CT et en 11 CT. Le 11 CT, ça se brode avec 3 fils. Voilà. Ah, je ne vous ai pas donné la taille de celui-ci, mais bon, c'est un 50 sur 29. Voilà. Niveau matériel, bon, je vous dis, il ne faut pas grand-chose, hein. Des ciseaux, les aiguilles. Bon, un petit dé, si vous jamais vous êtes un peu fragile du bout des doigts, mais bon. Moi, je ne sais pas travailler avec un dé. Et après, alors, soit vous travaillez comme ça, sans tambour, ou soit vous prenez un tambour en plastique comme ça, ou en bois comme ça. Ou alors, si vous avez un métier à broder, donc les métiers à broder, c'est ce qu'on pose sur la table, ou ce qu'on se pose, soit il y a des pieds par terre, ou alors on se le pose dans le fauteuil également. Mais là, bon, c'est quand on brode vraiment très souvent, on peut faire l'acquisition. Moi, j'en avais acheté un, et puis en fin de compte, ça ne me plaisait pas. Je l'ai revendu très, très vite. Donc, voilà. Bah, écoutez, la prochaine vidéo, on attaquera donc notre petite broderie. On fera ça ensemble. Je vous montrerai comment on attaque nos premiers points, comment on fait nos points de croix, comment on fait les arrêts. Voilà, comment on arrête nos points, notre point derrière, comment on le démarre, etc. Si vous avez des questions que vous voulez que je montre dans la prochaine vidéo, dites-le-moi en commentaire. Comme ça, je pourrai le préparer lors de la prochaine vidéo. Et puis, si vous avez des questions sur la vidéo que je viens de vous faire, n'hésitez pas non plus. Je ne manquerai pas de vous répondre comme d'habitude. Vous savez que je réponds à tous vos commentaires. Bon, des fois, il y a quelques jours de décalage, mais je réponds à tout le monde. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura déjà bien plu. Et moi, maintenant, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses. Et pour démarrer cette broderie, à bientôt. Bisous, bisous.